À la place, comme vous voulez. Hein. Il paraît qu'il est super bon, le petit nouveau. Une vraie star, qu'on dit. On va vous manger tout cru, les gars. Vous allez même pas voir le ballon. T'es prêt derrière? Vous êtes finis, les mecs. Et qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas. Il se concentre. Bon, alors, tu sers ou quoi? Eh ben, à toi! Vas-y, sers! C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, il se passe que nous, on joue au volley et que le nouveau, lui, il joue au tennis. Au tennis? Bah ouais, il joue perso, quoi. N'importe quoi! Et on peut lui dire ce qu'on veut, il n'écoute rien. Mais c'est faux! Pour vous dire, coach, au début du set, je suis bien resté 5 minutes face au filet à lui dire « Vas-y, serre !» Et vous croyez qu'il l'a fait? Nada, il a pas bougé d'un poil. Sûrement qu'il doit être sur boîte vocale. Marco, t'es resté 5 minutes face au filet à lui dire « Vas-y, serre !» Comme je vous le dis, coach. Je vois, tu leur as rien expliqué. Expliquer quoi? Expliquer quoi? Expliquer quoi? Mais que le petit nouveau est malentendant, expliquez quoi? Je vous l'avais pas dit. Non, mais c'est pas vrai. Et ça veut devenir manager. Un coach, ça prépare son équipe. Tu devais leur en parler avant le match. Enfin bon. Allez, on recommence tout depuis le début, les gars. Et puisque la parole, c'est pas votre fort, on va communiquer par signe. Notre nouvel ami ici présent en connaît des tonnes, pas vrai? Messieurs, le mois prochain, nous allons accueillir un nouveau collègue. Il a une bonne formation de terrain, un solide bagage universitaire, mais aussi une particularité. Il est malentendant. Alors, quand vous lui parlez, quelques conseils. D'abord, placez-vous si possible dans l'axe de votre interlocuteur. Comme ça. Pour lui permettre de lire sur nos lèvres? Exact. Ensuite, ne parlez pas trop vite et pensez à articuler. S'il ne vous regarde pas, posez la main sur son bras pour attirer son attention. Éliminez tous vos tics de langage. Pour qu'une intégration se passe bien, sans heurts, même si vous pensez, vous, être à la hauteur. Rien ne peut bien se faire sans un bon manager. Ouais, je suis désolé pour tout à l'heure, mon gars. Je savais pas que t'étais malentendant. Hé, tu pourras répondre quand je te parle. Bah, et qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'il lisait sur les lèvres, moi. Mais Marco, il te tourne le dos.